j'ai décidé de rentrer en Argentine après 2 ans de réflexion. Donc je rentre chez moi en restant très près de Paris. Je veux m'en aller, je pense, à fin septembre. Quand je suis arrivé, j'avais 25 ans et bon, il y avait plein de choses qui n'allaient pas et j'étais à la recherche de beaucoup de choses. Et tout ça, je l'ai retrouvé ici, à Paris. J'étais toujours très bien reçu, même quand je parlais presque pas français. Et aujourd'hui, ça va être très douloureux, je le sais. Les lumières, les passoires, les rues et tout ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai envie de rester là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai envie de montrer au mois de novembre à Buenos Aires tout ce que j'ai fait de nouveau, voilà, en sortant de l'abstraction. Si vous allez un tout petit peu plus à gauche, il y a un portrait qui est fait avec du fil électrique qui s'appelle La vieille femme. Parce qu'il a un chignon. Je trouve que toutes les femmes qui vous avez des chignons, ça vieillit. Un peu plus loin, il y a une autre que voilà, s'appelle La foule et est faite avec des boutons. Fait un couple que c'est fait avec 2 passoires, que c'est les petits trucs qu'on nous faisait la purée, notre maman ou peu importe qui préparait la cuisine à la maison. Donc je suis dans toutes ces recherches avec des matériaux. Après 28 ans passés dans un autre pays où j'ai appris beaucoup de choses, à niveau culturel, à niveau humain, à tout niveau. J'ai un vif besoin de parler ma langue, de plus penser en français. J'ai envie de dire à très bientôt à la France, qui m'a tant donné.